Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du Donjon Nullbuck. Nous avons donc Guignax qui s'est incarné dans un balayeur. Attends, un balayeur à 320 PV quand même. Hein. Il a bien mangé le balayeur. Hein. 320 PV, putain c'est plus que mon barbare. Putain, oui il a bien mangé. Hein. Bien un baston. Hein. Il avait quoi? Les suppôts de Guignax. De ce donjon. Ah c'est elle qui joue en premier. C'est trop drôle ça. Et... Tchac. Donc il s'est pris un tranche ton nom normalement. Non bah... Ouais non bouge pas. Ah ok, il a TP un gars à sa place. Ok, I can see. Ponk. Ah, il a rien pris. Est en marche. Il lui a fait quoi? Ah, je crois que c'est l'armure qui rend des dégâts. Est-ce qu'il me... Je vais prendre mon temps. Ouah, la distance, ça va? Moi aussi! C'est pas mal! Ok. Hop là. Je vais voir un peu ce qu'on va pouvoir bricoler ici. Petite morsure de serpent très énervé. Ouh, ça fait mal ça. Je peux aussi leur faire ça. Ah, il a pas bougé lui. Je sais pas si ça peut le bouger ou pas. C'est ça la question. Ah, ça l'a TP. Ok, il a encore reculé. Par rapport à un de ces gars. Tac, 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 tac. On part sur un bon. Oh, c'est le bon rebond. On va lui faire bouffer son balai. Ah mince, du coup j'ai l'eau dans mon dos. Eh mince. Attaque dans le dos. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Tac. Hein, même pas mal. C'est un peu stylé hein, ces guerriers. Tac 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 tac. Je donne un bonus ou pas? Ah non, aucun bonus de soutien. Ouais ouais ouais, bon écoute, tabasse ce truc là. Hein. Sprinter pour se mettre en face du voleur, je suis pas sûr que ce soit ta meilleure idée. Je sais pas, ils sont sous quoi, leur machin. Non. Ouais, non, mais l'autre gros il va l'éclater en un coup. C'est pas trop un problème. Joli. Non bah je l'ai déjà tabassé donc J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois. On est d'accord. Tout c'est pour faire ça. Hein. C'est pas mal pour un manuel. Ouais c'est un peu stylé comme attaque. Par contre ça touche pas son pote, c'est un peu dommage. Ouais s'il me invoque un paladin par tour ça va mal se passer hein. Et il a 3 actions en plus, évidemment, sinon c'est pas aussi drôle.
Elles sont cool vos attaques, les gars, hein, quand même. Hein. Portée 6. Je suis trop loin de l'autre bâtard là. C'est une blague. Tu me fais ta meilleure vanne là. Ouais, non, c'est ça, tu me faisais ta meilleure vanne. Ah, il s'en va mettre si loin du coup. Que je peux pas l'atteindre. Paf, il presserait presque rien celui-là. Je vais aller le sortir. S'ils se mettent à taper sur ma sorcière, je vais voir flou. Juste une attaque de base, ça le sort ou pas? Non, ça le sort pas. Sors-le. Ah, est-ce que ça lui permet de réinvoquer un palouf Juste à base, le de base là. On va te balayer sous un tapis. Tu m'attraperas pas, nananar. Allez, tue-le. Hop, lâche. Oh putain, tu l'as pas tué, t'abuses. vas-y. Bien joué. J'ai bien joué. Ouais bah juste, tu vois ce connard. Hein. C'est ça, il regagne des âmes de paladin, j'ai l'impression. Donc ça sert à rien que je les cogne pendant 1000 ans. Faut que je le chasse impérativement. Okay. Bon, il reste plus grand chose dessus, mais... C'est ça, c'est le problème, c'est qu'il va... S'il couche ma sorcière, ça devient un problème. Il va pas encore coucher ma sorcière, hein. Ça ne serait tardé. Aïe. Oh, ils sont des attaques de ouf aussi, les gars. Quelqu'un a repompé l'up, genre la sorcière? Bisous bisous. Ah, j'aurais pu esquiver ceci du... Oui, j'aurais pu me tirer, c'est vrai que normalement j'esquive maintenant la première. Aïe. On pourrait se faire une bonne omelette aux champignons. Tu vas réinvoquer un palouf? Non. Ouais, attends. Toucher ton gars quand même, hein. Touche ton gars. Touche ton gars. Il touche pas son gars, hein. À cette distance, le gars pourtant est bien au milieu, hein. Oh les tarbas. C'est trop injuste. Oh les bâtards. Je peux pas le toucher. Pas le toucher. Pour le toucher, faut que je me décale. Pour me décaler, faut que je me prenne une tatane. Adjugé. Est-ce que je te bute avec ça? Parfait. Oh le bâtard! Non mais vraiment! Non mais vraiment là, ça suffit mec. Hein. Eh monsieur, faut mourir. Hein. Oh, putain, faut crever quoi à un moment donné. Non, tourbilol. Ouais, le voleur il va prendre cher, mais c'est en problème. La bonne personne. Je peux pas bouger donc c'est chiant. Ah, tu vas me pourrir mon. Mais non. Faut arrêter, monsieur. Arrêtez tout. Hein. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Euh.
Si je bouge là, je me prends des dégâts. Mets une saucisse dans ce voleur. Oh oui, 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 oui. Ah, je suis là. Ils sont tous intacts. Ils sont tous intacts. Si je passe là, je me prends deux attaques. Ça commence à faire un peu beaucoup. Je propose que celui-là, il aille se faire foutre. Oh putain. Sérieux ? J'esquive rien du tout et j'esquive tout, quoi. Allez. Voilà. Avec un crit, en plus. Pas encore mort. C'est bon, il est mort ce connard. Monde de merde. Excellent. Ça sent une étoile empoisonnée. Ok, non, c'est hop, file-lui une fleurette. Tac 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 tac. Coucou. Ouais, je vais venir ici comme un gros con au milieu, mais c'est vraiment pour soigner mon voleur pour pas qu'il crève. Serre les dents. De nouveau. Tu la vois ma capuche? L'outil a genre même pas bougé. Alors, voilà. Coup terrifiant, barrage. Le barrage fait quand même hyper mal. Repoussé et étourdi, ouais, mais je veux pas dégommer ma sorcière non plus, donc. Immunisé à la terreur. Paf, les chiantos, ça réveille. Ouais, ils sont costauds normalement, les mecs. Hein. Mais bon, tant pis. Hein. Dégage. Ouais, ils sont moins costauds d'un coup. Voilà. Secousse. Ça va bouger. Hop là. Putain, les gars, vous êtes pas très coopératifs. Je peux en poignarder aucun. Bon, après, je peux toujours leur faire de l'attaque de base, hein. Ah, que ça tabasse un peu l'attaque de base. Je brûle! À moi ma compagnie! Ça va rebondir sur méga. Dis-moi ce machin. On va aller soigner ma sorcière vite. Ok, je brûle, mais en vrai ça va. En vrai, ça me loue si tu peux la sonner. Prends ça, fiole de plasmatique. Ça, c'est parfait, ça. Bute-le. Saigne-le comme un porc. Bien joué, ma gueule. Plus qu'à protéger ma sorcière. Bon, on peut commencer à le molester, hein. Vas-y, hein. Ah, j'ai critique. Si tu frappais comme tu râles, on aurait déjà terminé ce donjon. Ok. Pas de problème. Reste là.
Colle lui une baffe. Bon, juste une baffe, comme ça. C'est moi. J'ai pas eu le temps de relever ma sortie. Je l'ai tué trop vite. Pour une fois que j'avais besoin que le voleur fasse ses dégâts minimaux, il aura rien carré. J'avoue que j'ai surtout la sorcière qui a moché. Ouais. Ça me rappelle les cours de potion avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Voilà. Puis comme ça, on continue. Comme ça, on continue la bagarre. Alors, il y a plein de stufs. Oh, il y a plein de stufs, hein. Allons voir ce plein de stufs. Ah. On t'a bien défoncé la face, démon pourri. Merci. Quoi? Vous êtes... trop... stupide. Là, je pige pas. On lui a pété les dents, pourquoi il rigole? Libéré! Enfin! Grâce à vous, je suis libre et entier! Merci, merci et adieu, imbécile heureux! Amusez-vous bien pour l'éternité dans ce donjon pourri! Par les 13 des Moldors, on a encore rendu service à un méchant! Zut de zut! Bah, s'il est parti, on est peinard, non? Oh non! Mille sabliers, trop tard. Il est reparti dans les dimensions démoniaques. Hé, hey, mais c'est le rôdeur qui traînait à la taverne! Celui qui fume des pipes comme un gland! Quelque chose me dit qu'il n'est pas vraiment rôdeur. Je savais bien que c'était un imposteur. En plus, je suis plus grand. Je suis le docteur Oswald, responsable de la brigade temporelle de la Caisse des Donjons. Docteur qui? La quoi? Comme vous le savez, la Caisse des Donjons est l'organisme qui gère la fiscalité des aventures en Terre de Fang. Ma brigade s'assure que le continuum espace-temps est préservé, malgré les aventuriers. Eh ben, encore un beau baltringue. Fallait venir nous aider plus tôt, espèce de fonctionnaire à la graisse d'ours. Ma première directive est de ne pas m'impliquer dans les quêtes. Sauf que là, vous êtes tellement naze que le destin de l'univers bascule. Reste poli! Moi, au moins, je suis pas un imposteur. Ouais, t'es un vrai rempailleur de chaises. Eh mais non, écoutez, mais... Écoutez, le démon Guignax a récupéré ses pouvoirs grâce à votre intervention. Il est parti dans les plans démoniaques. Et alors? Bon débarras! Sa malédiction est toujours active. Nous sommes piégés dans la boucle temporelle. Bon, d'accord, c'est un petit peu la loose. Juste un peu. Et vous ne pouvez rien faire? Même moi, je ne peux pas interrompre une boucle démoniaque. Mais... par la magie, il y a toujours un moyen, n'est-ce pas? Peut-être que... Oui? Une idée? Peut-être qu'en retrouvant le maître du donjon, on pourrait lever la malédiction en restaurant l'intégrité des lieux. Comment ça, peut-être? La police temporelle n'est pas une science exacte. Je pense que la stabilité de la malédiction repose sur l'absence de Zangdar, le maître des lieux. Et pourtant, il est encore là. Je le sais. Il n'a pas tort. Il faut trouver le maître du donjon. Il est là et pas là? Je comprends pas. C'est qui, le maître du donjon? Je vous en ai déjà assez dit au vu du bilan de vos actions. Je vais explorer une piste de mon côté. Non, mais en fait, il se barre parce qu'il ne sait pas quoi faire, ce grumeau à cagoule. Parce que nous, on sait quoi faire. Peut-être qu'il faut demander une aide magique. Ah là là, et si seulement on avait un magicien puissant dans le groupe? Il va falloir retourner voir les escrocs au carré VIP. Sinon, on aurait pu aller voir un démon. On connaît un démon. Tac. Nous avons... On l'a lu, ça, démonologie de manque de bol. Ah, on connaît plusieurs artefacts maudits à manque de bol. On peut citer le Cursed Devin of Fumble, qui ne fait que des 1 au jet d'attaque et des 100 au jet de résistance des ennemis. La tasse à café maudite, qui est tirée par les chemises blanches les jours de réunion. Le Elven Bow of Missile Jamming, dont l'usage se passe de commentaires. Ou bien encore le Forgotten Umbrella of Despair, parapluie qu'on oublie toujours de prendre pile le jour où une trompe de pluie orageuse décide de s'abattre. C'est-à-dire tous les jours en Bretagne. Anneau de l'assassin. Chance de critique, dégâts critiques. Intéressant. Ah non, pas mes poches. Ton deuxième anneau, c'est adresse, courage et point de vie. Est-ce que plus de chances de crit avec mon voleur, c'est pas une bonne idée? On va essayer, on essaye les trucs, on essaye des choses. Se revendre un bon prix.
Je vais pas rester forcément sur mes appuis, tiens. Hop, emplacement de poulet. Elle est très bien, elle est très très bien. Non, je reconnais qu'elle est très bien, ce qu'elle lui donne de l'initiative, elle lui donne de l'adresse, et elle lui donne des points de vie. Ce qui est, comme nous avons pu voir, est essentiel chez le voleur. Qu'est-ce qu'on a pour le nain? Rien. Il a rien dépensé, le nain est parfait. C'est le foutoir là-dedans. C'est l'être le plus économe de notre groupe. Une veste pourrie, qui vaut pas un clou. Vraiment un chier. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches? Pourquoi t'ouvres ta gueule alors qu'on t'a rien demandé? Blondasse nulle. Non, pas une saucisse, on va pas lui mettre une saucisse, on va lui mettre une fleur. Tiens, prends une fleur fraîche. Saucisse mon pote. Alors, des nouvelles chaussures. Non, je garde mes deux d'adresse. ils sont trop bien. Deux d'adresse, c'est beaucoup trop bien. Et voici une petite saucisse cocktail, mon pote. Voilà. Des bottes. Ah, plus de protection, de la force, de la constitution. Ah voilà. Ouais, ça va poutrer grave. Une épée trifiée d'Igorgon le Sildérien. Barbare de son état, Igorgon arrivait à figer ses ennemis à l'odeur de ses pieds. Ça ne l'empêchait pas d'avoir une bonne grosse épée. Un coup réussi inflige un malus de moins 2 de mouvement à la cible. Ah, ça tabasse. Oh putain, et puis oh, elle tabasse. Elle tabasse bien. 3 de chance de crit. Ah cool, Chrome a le même chez lui. Je suis d'accord, elle est trop cool. Il manque plus qu'un casque légendaire surtout, hein, à notre barbare. Et pour ma magicienne, il n'y a rien. Si ça sent, c'est mes bottes. En termes de pied, enfin en termes de pied. Je crois qu'il va falloir aller revoir un moment donné le phare magicien. Hein. Ça a commencé à devenir nécessaire. Tac, 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 tac. Demander de l'aide au carré VIP. Ouais. On va faire un tour d'abord chez le phare magicien. Coûte du pognon, salaud. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Théorie des pièges, déjà rendu. Mais le truc de manque de bol, je sais pas trop où on rend les choses là. Je sais pas où on en est d'ailleurs non plus en termes de bouquins. J'ai pas joué pendant longtemps. Du coup, je sais même plus comment je m'en rappelle. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est la Connard Fang Production. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez aimé le maître du donjon. Le maître du donjon de Nullbuck. Parce que si vous avez pas aimé, je suis navré pour vous, mais on va s'en cogner. On va s'en prendre cet été. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, vous aurez le maître du donjon de Nullbuck. Bien sûr. Chrome n'a pas besoin de carte. Je suis d'accord. Il y a une boutique. On peut aller se check la boutique. Où on aurait des stuff légendaires de grande qualité. Ombre et lumière. Avec de l'intelligence. Ah ouais, ouais, ouais. Hein. L'argent doit circuler. Retraite optimisée, moins de courage, non, c'est nul. Un collier qui donne 1 d'intel, 10 de résistance magique, ça m'intéresse pas spécialement. Donner des épreuves, ça a l'air nul. Anneau numéro 13, chance de critique 3, chance d'échec critique 2. Oh ouais. Bague de puissance d'Argustus. On la connaît déjà. Un Protect 4, 2 de courage, 2 de charisme. C'est mieux en termes de protection, je la prends. Baudrier, ça fait rien si ce n'est donner 3 emplacements. Un peu nul. J'aimerais bien, j'aurais une ceinture de l'artificier pour mon voleur, ça serait parfait quoi. Des bombes araignées, des bombes acides. Ah, j'aime bien les bombes acides. Ah, les bombes gelées. Ah non, les bombes gelées sont mieux. On peut m'en prendre 4. Non, pas mon or. Ah si, ah il est parti. Au revoir le pognon. Du courage, du move, de la résistance à la magie et 4 de protection. C'est pas mal, hein. C'est pas mal.
J'espère que ce sera un investissement utile. Ceinture de cumul. Plus de PV, plus d'endus, plus de tout, quoi. C'est le cas déjà le nain. Ceinture dorée du patriarche. 2 d'emplacement, 3 d'impact physique, 3 de précision. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Bon, par exemple, sur le voleur, ça, ça rendrait bien. En mieux, de toute façon, que sa ceinture actuelle, j'ai envie de te dire. Des gantelets nuls. Voilà, des potions. En long, en large et en traviole. Allez, je t'en prends 10. Et puis là, bah, on peut rentrer un chiffre? Non, on peut pas rentrer de chiffre. Ah bah, c'est bien dommage. Et si on reste appuyé? Eh bah non. T'en prends 25. Comme ça, je suis plus embêté. Et alors ça, 2 de protec, 2 d'adresse, 3 de charisme. Bon, bon, un ogre du charisme, c'est parti. Hein. Parce que bon, la résistance physique, je veux pas être méchant, mais le mec, c'est déjà une boîte. Hein. Ça va aller. Ah toi, ceinture. De la belle qualité. Tac. Bot. Qui pourrait se revendre un bon prix. Un nœud de l'assassin, j'ai décidé de ne pas l'équiper. Je donne rien. J'ai rien pris pour le nain. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Ton bandeau. S'équipe. Ah oui, hop. Bombe glacée en 2, bien sûr. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches? Il y a rien qui bouge pour toi. Il y a un chapeau, oui. Et les genouillères de du consommé aux truffes. Ils te donnent... Bah, c'est moins bien, ça. Il n'y en a pas un qui j'ai acheté des pompes. Il y a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Lui, formidable. Tu es un barbare, tu es parfait, tu ne connais aucune faiblesse. Ne pas mélanger les potions, c'est bon, sinon ça peut exploser. Je fais le tour de tout le matos, ça. Le chimie ajoute le sado. Oui, oui, t'as une armure légendaire dorée. Ton épée est encore très pourrie, garçon. Ceinture du jongleur de couteau. Ah oui, c'était celle du... Ah, si, des brassards d'ombre et lumière. Ah, elle me disait aussi. Qui remplace tes actuels... Pas mal du tout. Voilà. Avec ça, j'ai l'air puissante. De ouf. T'as l'air de casser la baraque, même. Pourfendeur des 7 poulets. 2 de force, 2 de courage. Ah oui, mais 3 de protec. C'est ça. Alors que tu as... Bon, je sais même plus comment on s'appelle. 4 de protec, courage et charisme. Moins de force. C'est dommage. Manque un peu de force, le ranger, pour être intéressant. Trop mid. Sinon, bon, juste une équipe d'ogres et de nains. Allez, avec un barbare pour faire du style. Taverne, oui, j'ai plus besoin d'aller voir le pharmacien. Ah, non. Attendez. Allez, on fait ça, mais... Eh ouais. Pouette, bonjour. Commerce, nous allons vider nos poches. Pouf, c'est vendu. C'est vendu. C'est vendu. Tac tac tac, et on est bien. On garde full picole, hein. Le gars ne jette plus rien. Tac 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 tac. Et en vrai, j'ai claqué des popos pour rien, parce que je crois que je veux, tant qu'à monter à la taverne, autant, autant se payer un congé bien mérité. En fait, je suis en train de me dire qu'on va mettre fin à l'épisode ici. Hein. Oh, ça me paraît bien. Hein. Allez, on se repose. 350 billets, le salaud. Truand, assassin, moribond. Mais je vous remercie, c'était Knarfonk sur Comme d'habitude Gaming pour le donjon de Nullbeck et je vous dis à la prochaine.